Le moment était très attendu par les fans de Demain nous appartient. Le premier baiser des deux lycéens Jack et Ryan ne les a pas déçus. Réaction à chaud. Dans l'épisode 1400 diffusé ce vendredi 7 avril de Demain nous appartient, Jack et Ryan vont enfin s'embrasser après plusieurs occasions ratées. Le fils de Romy, Dunia Coezin, a en effet découvert que Jack avait retrouvé la vue. Je vais pouvoir reprendre ma vie d'avant? Je n'ai plus besoin de t'accompagner partout, demande alors Ryan à l'ancien aveugle, en le titillant. On peut quand même passer du temps ensemble, non? Répond le fils d'Audrey Roussel, Charlotte Gaccio. Sauf que Ryan lui fait une petite blague, prétextant qu'il ne voit plus l'intérêt de le voir. Il finit par lui dire la vérité, « T'as cru que j'allais te taire maintenant que t'es plus un handicapé ?» Et de poursuivre, « Si est-il trop bizarre de te voir me regarder dans les yeux ?» Ça y est, maintenant tu sais à quoi je ressemble. Ryan se rapproche de plus en plus de Jack pour qu'il le voit net et finit par l'embrasser. Depuis qu'on l'attendait ce bisou sur Facebook, les fans ont laissé éclater leur joie après ce baiser qui était très attendu. Très heureuse pour Jack. Il est tellement gentil. Prends bien soin de lui Ryan, et je vous souhaite que le meilleur les amoureux, a écrit une téléspectatrice. Oh enfin, il était temps, enfin. Trop mignon, enfin. Depuis qu'on l'attendait ce bisou, enfin. J'attendais ce moment depuis longtemps, enfin, j'y croyais plus, ah quand même, ont ajouté d'autres internautes. Les fans ne doivent pas se réjouir trop vite. Demain nous appartient, Jack et Ryan en couple, ce n'est pas pour tout de suite dans l'épisode de ce lundi 10 avril, Ryan ghostait Jack en ne répondant pas à ses messages pendant le week-end. J'étais occupé, si est-il tout. Mon pote de Londres est venu me voir. Je te l'avais dit, non? Tu as cru que je t'avais esquivé pour un petit bisou? Ce baiser, c'était fun. Tu n'as pas trouvé? On est potes, on s'amuse. Et si est-il très bien comme ça? Répond Ryan à Jack qui essaye de cacher sa déception. Lizzie tente de consoler Jack qui est déprimé après son vent avec Ryan. Sa jumelle lui conseille de passer à autre chose car il mérite mieux que Ryan. Au déjeuner, Jack choisit une photo torse nu pour mettre sur une appli de rencontre. Ryan pense qu'il vaut mieux que ça et que cela peut être dangereux. Jack lui indique que ça sera sa première fois avec un homme. Au Spoon, Ryan vérifie sur l'appli si Jack s'est bien inscrit. Chez les Roussel, Jack imprime une photo de Ryan et lui.